Kunala-san, comment tu vas? Trampitra, Yafoy, je suis réveillé le matin là, comme je suis seul là, elle est venue vous embrouiller un peu. Elle est venue vous embrouiller un peu. Mon frère de tous les jours, Seo, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Moi ça va, hein? Alhamdoulilah, ça va super bien. Content de te voir. Je suis Boro, d'après les Nouzi. On dit quoi? Et la Mifa? J'espère que tout va bien. Moi ça va. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur moi quand j'étais en France. Moi, c'est comme ça que je règle mes trucs. Hein. Plein d'échanges. Plein de choses. Bonjour, Draman. Draman, la fois passée, j'étais insulté là. Ouais, tu m'avais énervé. Après, j'ai un peu regretté. Je te vois ce matin là. Je te présente mes excuses. Mais quand je suis en retard comme ça là, ne venez pas parce que il y a des personnes. Moi,
l'hypocrisie là, je suis pas dedans. Voilà pourquoi j'ai pas d'amis. Quand je dis amis sur les réseaux là, sinon c'est mon ami, il est plus qu'un frère. Voilà. Moi, l'hypocrisie, j'ai un gros problème avec ça. Parce que moi, Amiral Blendé, quand je t'aime pas là, je te fais savoir tout de suite. Je passe pas à côté, puis je ne fais pas association, aide-moi à te tester. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis frère. Voilà. Moi là, je suis vrai, je ne suis pas faux. Hein, tous ceux que j'ai marché depuis l'enfance jusqu'au aujourd'hui là, il n'y a pas un. Tu peux aller dire oui, lui là, je ne l'aime pas, mais pour dire Amiral Blendé, il est comme ça, voilà ce qu'il a dit sur toi, voilà ce qu'il a dit sur toi là. Moi, j'ai pas été. Voilà, Dieu n'a pas mis ce truc là en moi quoi. Voilà pourquoi tu me vois marcher. Dès que je vois que c'est pas ça là. Voilà, je m'éloigne de toi, quoi. Voilà. Il y a plein de choses. Mais pour le président Guillaume Soro, je vais pas répondre. Mais vraiment, c'est dur pour moi. Hein. Ça me fait très, 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 très mal. À ben 10 minutes, il est là. Quand il dit que j'ai pas mal, si il dit que j'ai pas mal, voilà un cas où il y a fort. Je suis pas rancunier. Pour ne pas garder rancune, là, je me décharge. Mais pour le respect du boss, je vais essayer de... Bonjour Suleymane, bonjour Marie-Ange. Ah, Dieu merci, si ça va bien. Frère Seo, au Drago Bouba, salut. Ok, merci beaucoup Draman Konaté. Moi, Amiral Blendé, bonjour Zakus. Au fait, je ne cherche pas à plaire. Voilà. Parce que quand c'est bon là, tu n'as pas besoin de publicité. Celui qui détient la vérité là, il est toujours isolé. Le menteur a toujours, l'hypocrite a toujours plein d'amis. Parce qu'il fait jeu doux. Mais au fond de lui-même là, lui-même il sait que ce n'est pas ça. Ouais. Lui-même il sait que ce n'est pas ça. Nous tous on crie sur les réseaux là. Nous tous là, on parle sur les réseaux. Ce jour est dangereux. Même quand tu essaies d'apaiser, ils vont faire association contre toi. Oui, lui là, il faut faire attention à lui. C'est un traître. Il est comme ça, il est rentré ici, il est sorti ici. Moi, j'ai déjà risqué une fois, pas pour Guillaume Soro, mais pour le président Ouattara. J'ai pris mon avion ici après les élections de 2010 là. Parce que j'aimais le monsieur Alassane Ouattara. J'ai pris mon avion et je suis parti en Côte d'Ivoire en 2011. Il y avait deux présidents. Je suis parti dans Air France. Il fait 2 mois. Et je suis venu. Quand moi j'ai dit je suis prêt pour quelqu'un. Raison pour laquelle je me suis déplacé sans être en contact avec le président Soro. Non, je vais parler un peu. Avec le président Soro, je n'ai pas été invité. Je suis parti en 2016 là. Je suis allé jusqu'à Feke. Je ne connaissais pas Soul. Je ne connaissais pas. Quand j'ai dit connaître, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de contact entre nous. C'était la première fois que je mettais pied à Feke. Je me suis levé, j'ai laissé mes parents. Je devrais aller faire sacrifice de mon papa père à son âme. J'ai laissé ça. J'ai repoussé. Il dit non. J'ai dit dans une de mes publications, les élections des députés là, en 2016, là, ou bien, ouais, en 2016, je suis arrivé fin 2016 et puis on est rentré dans. Voilà. J'ai dit non, je vais aller voir, afin que j'irai voir le président Guillaume Soro. Je suis parti. Puis quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, les gens, tous les gens qui parlaient sur les réseaux, qui me contactaient, oui, si tu viens, il n'y a pas de problème. Tu vas voir le président Soro. Si tu viens, il n'y a pas de problème.
Quand je suis arrivé là-bas, j'ai appelé ces gens-là. Personne ne m'a décroché. Ceux qui me décrochaient là, ils me disaient non, je te rappelle après. Même un proche du président Soro même là, ici, en France, il m'avait rassuré. Mais quand je suis arrivé là, son téléphone était hors réseau. Quand je l'appelle, dès qu'il dit, attends, je te rappelle tout de suite. Mais j'ai pris sur moi. J'ai pris mon ami Djibril. Djibril, voilà pourquoi je te dis, il ne faut pas te décourager. Tu sais, aujourd'hui, là, les gens, ils veulent nous décourager pour qu'on quitte dans l'affaire de Soro, là. Tu vois, on ne va pas quitter dedans parce qu'on n'est pas rentré dedans. Parce qu'on a vu des gens parler de Soro. Nous, on est rentré par amour. Nous, là, au moment où on commençait là, c'était pas facile. Hein. Même les proches, même le conseiller, il a dit aujourd'hui, même le conseiller du président Soro, là, non, pas conseiller, le chargé de communication du président Soro, là, le grand frère Touré Moussa, à l'époque, il n'y avait pas, on ne se connaissait pas. Je l'ai dit à faire vite fait. Mais quand j'ai fait mon poste, Djibril, tu es au courant. Quand j'ai fait le poste pour annoncer la candidature du président Guillaume Soro en 2020, il m'a appelé. Il a dit non, il ne faut pas créer des problèmes au patron. Il faut supprimer ton poste. Il m'a parlé et il avait raison. Parce que c'est lui, il était le responsable de la communication. C'est lui, il est le responsable de communication de Guillaume Soro. Mais j'ai pris sur moi. Le lien que j'avais eu là-bas, quand j'étais à Fekke, là, à cause de ce poste-là, ça a tout gâté. À paix. Mais aujourd'hui, là, Djibril, si on s'était découragé, là, on n'allait pas être là aujourd'hui. On n'allait pas voir des gens porter lunettes noires, en train de transpirer dans la voiture, faire vidéo pour défendre le président Soro. Dans ce truc-là, Dieu nous a donné. Donc, on doit préserver ça. On doit courir. On ne doit pas se décourager. Tu m'as expliqué ton cas. Mais frère, moi, pour moi, il est plus dur que pour toi. Ce n'est pas Soro qui m'a mis dans ça là. Moi, j'ai perdu. Ce que j'ai perdu en Côte d'Ivoire là. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a un moment, Peter disait, oui, il vendait de bœufs là. Moi, j'ai perdu mes bœufs à cause de mon engagement personnel pour le président Soro. Ce n'est pas à cause de Soro. C'est parce que c'est moi, je me suis mis dedans. Ils n'ont pas dit non parce qu'ils supportent Soro. On va lui faire ça. Non. Plus de 100 et quelques bœufs, j'ai perdu à Divo. Donc pour moi là, et puis pour vous là, ce n'est pas pareil. Vous recevez de l'argent. Et puis vous mangez dans le dos de Soro. Moi je ne mange pas. Moi là, je ne mange pas dans le dos de Soro. Moi, Amiral Blendi là, pas il faut être vrai dans la vie. Ça me fait mal souvent quand je vois des gens, c'est-à-dire s'asseoir, essayer de me dénigrer. Hé, voilà, si ce n'est pas Soro là, au nom de Dieu, si ce n'est pas Soro là, moi, Amiral Blendi, GPS là, il y a laissé, au nom de Dieu. Parce que les gens ont tout fait. Ils m'ont fait détester par les militants. Mais que Dieu aide la vérité. Moi, je ne prends pas l'argent avec les pro-Gbagbo. Oui, il y a un suivant, même il est venu me voir en Allemagne ici. Il a compté 1500 euros ici, le mois je suis passé là. Un pro-Gbagbo, il a compté 1500 euros. Il m'a donné 1500 euros. Et j'ai fait manger beaucoup de personnes, beaucoup de vidéomans, quand j'étais en France là. Je les appelais. Viens, il y a tel qui est arrivé à Londres. 800, 600, on prend, on les donne et ils mangent. Mais les gars ne parlent pas de ça aujourd'hui. Si c'est pour aller me salir auprès des gens. Oui, ces gens-là, tu les vois même là quand ils parlent. Ces gens-là, pourtant, je les ai rendus service. Hein? Ah bon? Vous avez rendu service? Vous voulez qu'on parle? Quand je prends les gens, les envoie chez vous là. Quand les gens quittent Abidjan là, je les prends, je les envoie chez vous là. Et puis, ils vous donnent l'argent là. Ah bon? Quand les dossiers viennent et puis je vous appelais là. Pour vous donner là, l'argent qu'ils vous donnaient, vous voulez qu'on parle? Alors si vous me rendez service, c'est pas grave. Puisque moi je vous donne gros,
Je sais, il y a d'autres même là qui ont crédit sur eux. Bah, ils n'ont pas fait le boulot. Ils vous ont fait quoi? Donc vous là, vous avez le droit d'être GPS. Parler bon de Babo Laura. Mais moi, j'ai pas le droit. Moi, j'ai pas le droit d'être GPS et parler d'Alassane Ouattara. C'est ça? Apprenez à respecter les gens. On dit que c'est le traître qui connaît toujours le traître. Ah, il a. Hey! Moi, là, je m'en fous de vous. Vous, là. Tous ceux qui font vidéo, là. Et puis non. Il n'y a pas réalisation en Côte d'Ivoire, là. Peut-être que je n'ai pas beaucoup. Mais je ne suis pas le vaurien des bénisses. J'ai des choses. J'ai réalisé des choses en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu en France pour elle. Et puis moi, là, je n'ai jamais touché social. Hein. En France, là, j'ai jamais touché social. Moi, Mireille Blindé, j'ai jamais, même l'argent des enfants, là, j'ai jamais touché. Vous pouvez demander à mon ex-femme, là, vous pouvez la demander. L'argent des enfants, là, j'ai jamais touché. Je ne prends pas mes enfants pour faire couverture, pour avoir social. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai des familles. J'ai une famille à nourrir. Je dois m'occuper de ma mère. Donc, je ne dois pas être le mendiant. Il faut respecter les gens. Celui qui vient sur ma page, il joue les cons, je l'insulte et puis je le bloque. Ma nène et puis m'a bloqué. Vous pouvez aller à Abidjan. Les gueulards. Même pour voyager en Europe ici en avion là, vous avez peur. Vous pouvez aller à Abidjan. Même ce que le président fait aujourd'hui là, parler du dialogue là. Moi j'ai su ce que le président dit, Guillaume Soro. Mais tellement ils sont sataniques là, ils ont reçu à mettre dans la tête des gens que c'est moi je suis contre. Le dialogue entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Ce que je fais aujourd'hui là, je ne mets pas le feu. Parler du dialogue là, ça ne vient pas de moi. J'ai entendu, je n'étais pas là-bas. J'ai vu qu'ils se sont appelés. Et le président dit qu'il va aller au dialogue avec eux. Mais ils ont mis dans la tête des gens cela. Des gens que, ouais, Amira Blendel, il veut la mort de Guillaume Soro. Comme si Guillaume Soro était un suicidaire. Guillaume Soro ne sait pas, en parlant avec Alassane Ouattara, qui met sa vie en danger. Mais eux, ils le savent. La rébellion, là, ce n'était pas entre nous les Nordistes. La rébellion, c'était contre Babo Laura. C'est vrai, le V n'a pas été honnête avec Guillaume Soro. La rébellion, ce n'était pas entre les Nordistes. La rébellion, c'était entre Bagbo et les gens du Nord. Mais moi, mon image aujourd'hui, Dieu merci que je suis vidéoman très puissant. J'ai commencé à faire ma vidéo aujourd'hui. Vous avez déjà entendu me dire ici, oui, partager la vidéo sécurisée. N'est-ce pas? Parce que je me connais. Je sais ce que je vaux. C'est-à-dire, souvent quand je m'assois, je vois leur comportement. Et puis quand on dit en matière d'être aimé là, moi je suis aimé plus que vous tous. Hein. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas moi. Je ne force pas. Depuis 2018, ma page là, est bloquée. Depuis 2018, ma page là est bloquée. Et je ne me suis pas découragé. Ma page là, c'est bloqué. Mais je ne suis pas découragé. Regardez, j'ai des pages ici. Si je vais là-bas, je sais qu'ils vont venir voir. Mais ça là, ça c'est ma page principale qui est là. Là-bas, là, tout est vert.
Mais ici, là, ma paille, là, ils ont signalé ça. Et j'ai même vu. Ils le savent. C'est pourquoi j'ai dit, les gens ne sont pas sincères. Et puis, c'est vrai. On a parlé des soroïstes ici. Vous dites oui. Ils ont signalé, ils signalent le compte. J'ai vu le nom de un qui a signalé ma page Facebook m'a envoyé. Et à l'époque, on a parlé. Ah, c'est ce que ah, la personne fait ça là. La personne a fait ça là. Akana, compte il bloque Akana. Mais aujourd'hui, là, ils sont tous amis aujourd'hui contre Amiral Blindé. Les gens s'aiment aujourd'hui. Pour me combattre là, eux là, ils ont fait, ils se sont mis ensemble. Mais c'est pas grave. Il sait que ma sortie ça là, bébé, tu ne vas pas aimer. Si on nous suit là, regardez, j'ai trois pages ici là. Vous voyez là, là, je suis avec ce homme, ça, et puis ça, ça, on ne voit pas bien. En orange ici là. Là, là, là. Tout ce compte-là, là, là, je suis suivi sur les deux, là. Ici, là, les deux, là, je suis suivi sur ça, là. Bon, l'autre, là, ça, on appelle ça bataillon blindé. Voilà. Allez, flingue. Maintenant, il y a ça. Et puis, il y a le dérangeur. Ici, là. Il y a le dérangeur. Et puis, ici, c'est quel nom? C'est l'amiral blindé. Non, je n'ai pas basculé. Vous voyez? Et je suis le seul vidéoman de Guillaume Soro qui a mis l'argent dans le t-shirt porté. Même quand il y a soirée, là, je porte du maillot là-bas. Tellement c'est bien fait. À part, vous avez déjà vu un Soroïs fait t-shirt à Abidjan, 18 000 avec casquette envoyée. J'ai plus que 20. Les t-shirts de Soro là, moi je m'aime, quand j'aime là, c'est comme ça. Moi je ne mange pas. Quand il y a la cérémonie du GPS là, moi, Amiral Blindé, c'est pourquoi je me suis éloigné de tout. Là où on peut manger là, je me suis éloigné pour garder ma dignité. Mais si on dit on va s'asseoir là, on va parler là. Nibé Wardomna Kacha là, présent, vraiment, je vous présente mes excuses. Peut-être que ça serait ma dernière sortie sur ce truc-là. Parce que je ne peux pas. Parce que je vais expliquer à quelqu'un. La personne va aller augmenter. Et puis, dire ce que je n'ai pas dit. Je préfère dire ça ici. Mais sans injure. C'est parce que j'ai mal. Je vous aime. Voilà pourquoi je reste dans ce combat-là. Wallahi Bilay. Les mercons qui sont dans ce parti-là, ça veut dire qu'il me hait là. J'ai rien fait. Au Simbinka, mais Nama Tabla, arrêtez d'être. Ah, Tabla, hein. Jamais vous allez entendre Amiral Blindé dans une vidéo pour dire oui, lui-là, il a trahi. Lui-là, il a trahi. Jamais je vais le faire. Parce que je sais que nous tous, on aime Soro. Mais pourquoi moi, à mon tour, vous vous mettez ensemble, des bras cassés, vous vous mettez ensemble. Mais si Guillaume ne me connaissait pas là, il y a depuis longtemps, il a coupé avec moi. Si Guillaume ne me connaissait pas, depuis longtemps, il a coupé avec moi. Jusqu'à aller dire dans des vidéos, oui, il y a d'autres qui font croire aux gens qu'eux, ils parlent avec Soro. Donc, ça vous faisait mal. Quand je vous disais, ah, j'ai parlé avec le président, pour pouvoir vous encourager là, donc ça vous faisait mal. Ça vous faisait mal, vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit l'hypocrisie là. Mais aujourd'hui là, vous avez les mêmes privilèges là que moi j'avais dans le passé. Parce que moi et Soro, il y a longtemps on ne se parle plus. Il y a longtemps. Par exemple, moi je ne peux pas l'appeler. Il y a longtemps que moi la tournée. Mais vous aujourd'hui là, vous parlez avec lui. D'après vous. Donc moi aussi je peux dire aux gens que c'est faux.
Moi, je ne suis pas, comment on dit ça même, en français là. Je ne suis pas, bon, en français facile, je ne suis pas tout pour moi, rien pour les autres. Je veux que nous tous là, on soit au même pied dans l'affaire de Joro, parce que chacun vit sa vie à sa manière. Mais moi, j'ai plus perdu que vous. Moi là, j'ai plus perdu que vous. Moi, Amira Blendé, là, j'ai plus perdu dans ce combat-là que vous. Je suis en train de me décharger. Il n'aura pas de... Moi, de mon côté, en tout cas, il n'aura pas de choses de rancœur contre qui que ce soit. Non, il n'aura pas de rancœur. Moi, je suis quoi? Parce que j'ai trop de choses à réaliser que d'aller prendre rancœur, venir surcharger mon cœur là. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais je me décharge. Et puis après, je suis à l'aise. Moi, j'ai pas de place au GPS. Mais j'ai une place que j'ai dans ma tête là. Personne ne peut m'enlever ça. Personne. Moi aussi. Personne ne peut m'enlever. Et je ne veux pas me cacher. Auprès du président Soro, il y a des gens qui m'appelaient avant. Ils ont reçu à les détourner. Moi, les gars ne m'appellent plus. Mais ceux qui ne m'appellent pas là, moi, j'ai pas votre temps. J'ai pas votre temps. Parce que ce n'est pas à cause de vous. Je parle de Soro. Je parle de Soro. Voilà pourquoi. Tu verras sur ma page que la photo de Guillaume Soro est sous tout soul. Sinon, les à côté là, j'ai rien contre vous, mais vous n'êtes pas prioritaire pour moi. C'est Guillaume Soro là, est sous tout soul. Et je vais mener mon combat. Attendez, je vais bloquer Babier là. Parce que tous les jours, il vient m'embrouiller sur ma page ici. Voilà. Il y a Aya Dablade. Arrêtez. Ahmed Général et le CENI ne sont pas au courant des choses. On mène le même combat. Ahmed Général, Guillaume et le CENI qui va voler là, et ils ne sont pas informés des choses. Quand je parle comme ça, ceux qui sont intelligents là, ils vont comprendre. On a eu des moments mielleux. On a eu des moments mielleux. Donc, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Adabla, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas bon. On nous a déjà demandé de se calmer. Moi, je me suis calmé. Je me suis calmé, mais j'ai dit le combat que j'ai commencé là. Jusqu'à ce que le président Soro même vienne dire, bon, allez, le dialogue là, stop. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui va m'écrire en privé pour dire non, combat ça là. Il faut quitter dedans. Omroté, le jour Soro vient dire, il fait publication là, pour dire non, dialogue là, c'est mort là. À partir de ce moment-là, vous allez dire, ah, Amira Blendé, vraiment, il veut rentrer. Le RDA a mis combien de temps pour avoir le pouvoir? Le RDL, ils ont mis combien de temps pour avoir le pouvoir? Quand on vous parle du dialogue aujourd'hui, là, le dialogue ne se fait pas du jour au lendemain. Le dialogue, quand le président Guillaume sera commencé, le dialogue là, avec Bagbo Laurent, là, le pouvoir de Bagbo, là, ça a mis combien d'années?
Vous vous levez comme ça. Oui, on veut une amnistie. Oui, tout le monde veut. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ce geste du président Ouattara est présent sur l'eau là. On doit encourager. On doit les aider dedans. Leur montrer que oui, on veut. Moi, je dis pour moi haut et fort. Mais sinon, ça fait plus plaisir. S'il y a l'entente entre les deux là, vous là, vous serez plus heureux que moi. Mais moi, j'ai dit pour moi, je ne cache pas. Et puis, c'est lui qui se bat pour la paix, a plus de mérite chez Dieu que celui qui essaie de mettre le feu. Voilà pourquoi je ne touche pas à l'alcool. Drone était dromi. Moi, je suis si clair. Dans toutes mes vidéos, là, je suis si clair. Qu'est-ce que dromi est dans mon goût, là? Faites votre amour là-bas. Ne me prenez pas comme votre fétiche pour agrandir votre amour entre vous là-bas. Agne Kanduini. J'ai pas besoin. J'ai pas. Et puis dans la vidéo là, je ne vois pas. Peut-être que je ne parle pas bien le français. Mais vidéo là, c'est inné. C'est un ton pour moi. Je ne vois pas quelqu'un qui va venir s'asseoir. Quand on a qu'à faire vidéo et puis ça va prendre. Je ne vois pas. La vie même, c'est du coq à l'âne. La vie que nous traversons, c'est du coq à l'âne. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu es là-bas. Je suis en train de parler de ce que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui. Mère compte de ta grand-mère. La paix entre Soro et Ado n'arrange pas ses proches. Si Soro Guillaume s'amuse à venir, frère, il sera sur terre. Ok. Donc, Moussa Credo, si tu connais, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc, dis-moi, qu'est-ce que Soro doit faire maintenant? S'il ne doit pas rentrer par le dialogue, tu écris bien le français. Je sais que ton clavier n'est pas bloqué. Je sais que tu es un combattant, tu es déterminé pour la cause du président Soro. Donne-moi, ça dit ta pensée. Qu'est-ce que Guillaume Soro doit faire? Moustapha Credo, je te pose la question, réponds-moi gentiment, s'il te plaît. J'attends avant d'avancer. Si Soro n'est là, qu'est-ce que vous appelez un leader? Donc, toi, tu es plus intelligent que Soro. Dis-moi, quelle proposition tu as à faire? Comme il ne doit pas, en tout cas, dialoguer avec Alassane Ouattara, là. Toi, là, dis-moi ta pensée. Credo, j'attends ton... Je t'ai toujours fait confiance. Hein. Je sais que tu auras les mots pour répondre à cette question. Salut, Christine. J'attends ta réponse, s'il te plaît. Parce que même guerre mondiale, là, c'est le dialogue qui a fini ça. Palabre ne finit pas par là. On ne prend pas feu pour éteindre feu. C'est Guillaume Soro n'a pas fait plus de mal à Ouattara que Gbagbo Laurent. Moustapha Credo, s'il te plaît. Moustapha Touré Credo, là. S'il te plaît, réponds à ma question. Parce qu'il est facile de dire. Donc, Soro, il ne sait pas qui court un danger. Mais toi, Moustapha Credo, là, tu le sais. Soro, pour toi, il est tellement bête, il ne voit pas le danger. Soro ne voit pas le danger. Mais toi, tu vois. Il faut m'expliquer. Qu'est-ce que Soro doit faire?
Sinon, Gbagbo voulait tuer Alassane Ouattara. S'il avait l'occasion, il allait le tuer. Mais cela n'a pas empêché Alassane Ouattara de rentrer dans le pays pour faire sa politique. S'il avait eu peur, on n'appelle pas un peureux. Chose, il y a un leader. Ton clavier, il est bloqué. Des petits militaires qui sont assis là-bas, toi, tu n'es même pas capable de t'afficher. Tu vois, hier, tu parlais mal pour rien. Parce que tu ne m'as pas répondu. Des militaires de merde, vous êtes assis là-bas. Mais vous connaissez l'avenir des gens. Vous pensez qu'on va rester dans ça là? Qui aurait imaginé un jour, en 2011, que Gbagbo et Ouattara là, ils seront dans la même ville là, et puis il ne va pas avoir bruit de canon? Qui pouvait l'imaginer un jour? Vos hypocrisies là, je ne suis pas dedans. Hein? Vos hypocrisies là, je ne suis pas dedans, je ne suis pas un hypocrite. Hein? Il te dit ça clair, clair. Il sera sur terre. C'est toi qui as le destin des gens. Tu n'es pas capable de t'afficher. Tu fais des grands postes sur Alassane Ouattara. Tu es un sachant. Tu fais des révélations. Et tu annonces des choses. Mais tu n'es pas capable de t'afficher. Viens, tu vas écrire. Bon, ceux qui disent là, moi là, ça veut dire, il y a un truc qui vous manque. Comme ce que Moustapha Krido a dit là. Il y a quelque chose qui vous manque. Soro ne doit pas rentrer tant que Ouattara il est là. Mais ce qui vous manque là, vous ne le dites pas. Qu'est-ce que Soro doit faire pour rentrer en Côte d'Ivoire? Honoré Kofi, bonjour. Giro, bonjour. Serge, bonjour. Attendez, peut-être qu'il m'a répondu. Comme ici, là, je ne vois pas toujours les commentaires. Je vais voir ici. Peut-être que Moustapha m'a répondu. Moustapha, je ne vois pas d'abord, hein. Je ne vois pas ton commentaire. Ici, là, je vois les commentaires qui s'affichent ici. Mais je ne vois pas pour toi. Donc, il ne faut plus venir ici encore, sinon il a été bloqué. Si tu ne réponds pas, tu écris quelque chose d'autre là, il a été bloqué. Même ton numéro que j'ai là, j'ai bloqué ça. Ah, maintenant, parce que moi, je suis garçon. Moi, là, je suis garçon. Vous proposez quoi? Soro, il n'a jamais dit qu'il veut faire la guerre à la San Ouattara. Guillaume n'a jamais dit qu'il veut faire la guerre à la San Ouattara. Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez quoi? C'est pas vous là en privé. Ah mon frère, on ne peut pas s'afficher. Oh. Vraiment, c'est chaud. On ne peut pas s'afficher. C'est chaud. On ne peut pas s'afficher. Mais en commentaire avec Avatar, vous êtes garçon. Il ne faut plus venir m'écrire les bêtises ici encore. Hein. C'est vous qui êtes intelligent. Soro, il ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. André, c'est vous qui le guidez. Depuis son problème là, qui a déjà parlé pour lui? Personne. Entre lui et Alassane Ouattara, personne. Mais si les deux se sont parlé là, tu sais ce qui s'est passé? Pour qui il se parle? Donc c'est votre souhait. Donc Soro ne doit pas. Regarde, il n'y a aucun... Aucun président de parti politique qui est resté hors du pays et puis être président en Côte d'Ivoire. Ouattara même a fui la Côte d'Ivoire un moment. Mais après là, il était obligé de rentrer pour faire la politique.
ce qui me fait mal. Vous pensez que Gbagbo Laurent, quand il va prendre le pouvoir là, il va donner à Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est la chose en paix. C'est ce que vous pensez. On doit se mettre ensemble, oui, pour combattre Alassane Ouattara. Je suis d'accord avec vous. Mais on l'a déjà essayé. Désobéissance civile en 2020, là. Mais qui est accusé de ça aujourd'hui? Les gars ne disent pas non. Guillaume Soro voulait renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous entendez le nom des autres dedans? C'est-à-dire qu'on se met dedans. Quand ça ne marche pas, c'est nous. Mais quand on veut parler de l'opposition, on parle d'eux. Ah, c'est un homme de paix. Il n'a jamais pris les armes. Quand on vous dit déjà là, Gbagbo Laurent n'a jamais pris les armes contre la Côte d'Ivoire là. Vous pensez qu'il parle de qui? Même la fois passée, je voyais quelqu'un qui me répondait par rapport à mon poste que j'ai fait, que si Gbagbo Laurent est sincère, il n'a qu'à parler dans l'affaire de maison de Guillaume Soro. Mais lui-même, dans sa propre vidéo, il a parlé, il s'est fait pleurer aux gens, parlé, lunettes noires. À la fin, lui-même, il dit ce que moi j'ai dit. J'ai enregistré la partie. Il dit, je demande aux communicants, aux journalistes du GPS, de demander au patriarche, le père Laurent Gbagbo, il n'a qu'à se prononcer sur l'affaire de maison de Guillaume Soro. Mais c'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, s'il est sincère. Donc, toi, quand tu lui demandes là, quand tu demandes aux gens, moi j'assume moi. Contrairement à vous, moi j'assume. Moi, quand j'ai quelque chose à dire là, je le dis directement, je ne passe pas par quelqu'un. Mais aujourd'hui là, toi, tu as pris, tu as allé, tu as bavé, tu m'as insulté, tu as dit plein de choses. Mais à la fin là, ce que moi j'ai dit là, c'est ce que tu allais dire là-bas. C'est ce que tu allais dire là-bas. Ne te sera mourien, ne be mouro bougien. Jusqu'à tu vas penser que lui là c'est un vaurien. Nimi bougien, il faut me respecter. Quand je te respecte là, il faut me respecter. Quand, si tu as quelque chose à dire là, tu me le dis ouvertement. Et puis on va avancer, ça ne sert à rien de passer derrière, en train de me salir. Si moi j'avais un sale nom au GPS, tout ce qu'ils prennent comme prétexte là, il a trahi. Mais ça ne serait pas la première fois que j'ai trahi. Hein. Parce qu'en 2021, 2022, là, d'après vous, j'avais touché 56 000 euros. L'argent était déjà dans ma poche. Donc, au Mambo Tchouni, j'ai remboursé l'argent. Comme vous avez parlé là, j'ai remboursé l'argent, je suis redevenu encore GPS. Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui là, tout le monde est d'accord pour attaquer Blené. Mais j'ai pris Dieu, il ne faut pas ça se gâter entre vous. Sinon, peut-être que vous allez avoir honte de dire, ah, Blené avait raison. Allah Badi, Allah Adia. Pour l'amour du Soron, Allah Kanata et Blanyona. Pour l'amour du présent Soron là, Allah Kanata et Blanyona. Moi là, j'ai commencé à tirer sur le président Ouattara depuis que Guillaume Soro était avec lui. Et souvent même, je me posais la question, est-ce qu'il va aimer? Mais comme il ne m'a jamais parlé de mes vidéos, jusqu'à aujourd'hui là, il est là-bas, il est avec Alassane Ouattara. Je les bombarde, et tous. Mais lui, je l'enlevais dedans, et j'attaquais Alassane Ouattara. Et les câblants d'un cas à l'époque là, nous, Betou Lamarala. C'est ce qui vous fait mal. Et après, vous êtes rentré dedans. Est-ce que ça là, c'est faux? Donc, Djibril, tiens bon. Igamewa, tiens bon. Il est né au Tessé Gambo à l'aller. Il est né l'état à la Féki. On allait à Féki, on allait voir ce nom.
Et quand on est arrivé là-bas, Djibril même a demandé, il m'a dit, Joe, c'était la première fois qu'on se voyait, hein. C'est quelqu'un, je lui fais confiance. C'est lui qui m'a accompagné à Fekir. Quand on est arrivé à Fekir même là, quand on appelait un numéro, ah, Joe, on a Fekir, attends, je vous rappelle. Joe, on a Fekir, attends, on vous rappelle. Il y a un monsieur aux États-Unis là, Fof. Je l'ai appelé. Et lui me disait que voilà, il était proche de, il y a du bébé tout. Lui, il a appelé quelqu'un à faire qu'il là-bas. Et puis, il m'a appelé après pour me dire, oui, ils vont t'appeler tout de suite là. La personne, eux, moi aujourd'hui là, lui qui m'a appelé, là, on est amis aujourd'hui. Il m'a donné le numéro, je crois que c'est moi qui ai appelé le monsieur. Je l'ai appelé et puis j'étais en train de l'expliquer. Ah, on est venu à faire que c'est Amiral Blindé. Là, on est à la gare, on ne sait pas où aller. Il dit, cherchez à vous loger et puis on va voir ça demain. Quand il a dit ça, c'est pourquoi moi, j'aime pas quand on me dit non, faut faire. J'aime pas quand on me force. Surtout quand il y a quelque chose sur mon cœur. Djibril est témoin. On avait des grands, un bengis, des grands doubassants comme ça. Avec des petits sacs, tout ça. Djibril, lui, il est comme les dentistes là. Quand il marche, on dirait trouver la soie en train de faire malin, tout ça. Ils étaient en travaux. De la gare jusqu'au goudron là. Ils étaient en travaux. Donc là-bas, la voiture ne pouvait pas rentrer. J'ai pris mon tuba sac là. J'ai mis un devant et puis un derrière. J'ai pris. J'ai dit comme ils ont dit ça là. J'ai dit, Djibril, tu sais ce qu'on va faire? Djibril, il est mon témoin. J'ai dit, comme ils étaient en campagne là, on va prendre un taxi. Et on va dire au taximètre, il n'a qu'à le nous déposer dans un QG de Guillaume Soron. Voilà comment je vois Soultoussoul pour la première fois. Je l'avais déjà vu, même en vidéo là, je ne l'avais pas encore vu. C'est une fois que j'ai vu Soul en photo sur Google. J'ai dit à Djibril, j'ai dit à Alon, Djibril dit non. Il faut laisser ceux-là, ils ne sont pas bien. Alors, moi, j'ai des parents ici, on va l'habiter là-bas. J'ai dit non, on t'a habité Mouachi Fei. On va voir. Ni le Kani, l'Amboka, Mouachi Sekane, ni Mouaka. Djibril vit en Côte d'Ivoire. J'ai dit, on va voir Guillaume Soro aujourd'hui là. Pas courage, vous êtes pour l'an, quoi. Premier taxi qu'on a vu là, on a arrêté. On nous a dit au taxi, on va aller dans le QG de Guillaume Soron, de campagne. Il me dit quel QG? Il dit non, le plus grand. Bah, je sais que là-bas, là, on a dormi là-bas. On va en question, on va dormir. En tête chez l'hôtel, là, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour Guillaume Soron, je ne suis pas venu pour dormir chez quelqu'un. Je suis venu, même s'il n'est pas informé là, je suis là, on le voit aujourd'hui. Dieu merci. Détermination. Comme on le dit en anglais. Détermination. Donc le taximètre dit monter. Voilà, quand le Douaou est là, tout devient facile. En train de partir, on voit un cortège qui passe devant nous. Et puis je vois Soul dans une voiture, il est assis comme ça. J'ai dit, ah, j'ai dit au taximètre, j'ai dit non, suivons ceux-là. Eh, non, on ne peut pas les suivre. Ceux-là, quand ils passent là, il ne faut pas les suivre. Donc j'ai dit, attends d'abord. Là. Donc il a stoppé. Quand ils sont partis, quand le cortège a fini de passer là, j'ai dit, allons. Quelques temps après, peut-être deux minutes après, ils se sont arrêtés. Voilà où je descends maintenant du taxi. Je cours. Là, la voiture, là, j'ai repéré la voiture. Je cours, Dieu merci. Les gars de quoi ou bien les soldats qui étaient là, personne ne m'a arrêté. Bah, ils étaient bien habillés, je cours. Je m'habille bien. Donc, peut-être que c'est un ministre qui est en train de courir, moi. Je cours, je dépasse toutes les voitures. Là. Ils étaient déjà stationnés, hein, voilà. Faut pas, ils vont dire non, quoi. Je m'en vais sous l'assis dans la voiture. Là. Tellement je suis venu en vitesse, dans ma tête là, peut-être ils vont décoller encore. Quand je viens, je tape vite là, boum 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 boum. Et puis sous, il fait comme ça, il me regarde. Et puis il fait ça. Il y a quoi même? Vous voyez souvent le yeux voient, mais il ne reconnaît pas. C'est le cœur. C'est pourquoi souvent tu vois quelque chose et puis après tu fais comme ça. C'est-à-dire ton cœur a pris. Donc, j'étais tellement découragé. Ah! Donc, j'ai fait tout ce trajet-là jusqu'à ici. Et là, comme on me chasse,
C'est là que je vois Souli descendre de la voiture. Parce qu'il m'a vu. Comme il ne m'a jamais vu là. C'est-à-dire mon image est venue après dans son cœur. Il a dégagé sa voiture et puis il a dit Amiral, Amiral, il est venu. C'est pourquoi vous voyez, il y a une vidéo où je fais parler Souli là. Il dit non, mon vieux, il faut leur dire que je suis affecté. C'est là, là, on venait de se croiser. Il m'a présenté. Il dit non, je n'étais pas reconnu vraiment. Ah, bonne arrivée, tout ça là. Le monsieur donc que j'avais appelé là, et puis il a dit de chercher à me loger, demain on va voir là. Dieu a fait que lui, il est devenu moi mon chauffeur. Je lui dis, parce que comment je suis après? Parce que quand il m'a parlé comme ça, il a dit bon, on sait pas, en tout cas, on s'est pas bien laissé. Moi, je l'ai rapproché d'une manière là, et puis voilà. Donc le gars, Dieu fait que Soul tombe sur lui. Il dit, j'ai pas dit son nom, il dit ah, il faut prendre les bagages là, et puis. Vous n'allez pas dire. Et puis il a sorti son téléphone. Il a appelé Bébéto. Guillaume sera devant moi. Hey, on n'est pas la même chose. Hein? Moi, je n'ai pas vu Guillaume sera dans Crush Party. Hein? En tekeling, il n'y avait pas de mouvement de Soro d'abord. Il n'y avait pas de mouvement de Soro. Je parlais de lui, mais il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait même pas de t-shirt même. Même s'il y avait t-shirt, c'était écrit dessus Ado et Soro. C'était écrit Ado et Soro, c'est moi j'ai envoyé Ado président là. Hey, Job Soro président là, c'est moi j'ai envoyé ça. Il dit, il y a Amiral qui est là. Hein. Moi, j'ai arrêté. Grand type, homme d'État. C'est-à-dire, c'est un ambassadeur qui annonce mon arrivée chez un président. Et c'est un même façon que le soit qu'il n'en a, non. C'est ce qui vous fait mal. Mais c'est fait déjà. Après ce qui a dépassé. Il dit, ah, Amiral est là. Hein. Il arrive. On me donne une voiture. Un chauffeur. C'est un chauffeur là qui m'a dit de chercher à me loger. Ça va, je ne peux jamais oublier. Je ne savais pas que c'était lui. En partant dans la voiture, il dit, mon frère, moi j'ai parlé avec Kibri. Il était tellement content. Il dit, t'as vu, non, c'est bon, donc on est là. Lui-même là, vu qu'on ne se connaît pas, tu vois, je ne sais pas que je me foutais de lui, mais il n'y a pas de truc entre nous, donc j'ai parlé avec mon ami. Il dit, mon frère, vu que j'ai parlé avec Kibul, tout de suite, je n'ai pas répondu. Il dit, quand vous arrivez quelque part là, quand on vous dit d'attendre là, attendez. Hein, c'est passé, moi un gros cœur, moi je réponds tout de suite. Hein. Je réponds tout de suite. Il dit, quand vous arrivez quelque part, quand on vous dit d'attendre, attendez. Non, vu que j'ai parlé à Djibril, j'ai entendu, mais je me suis dit, bon, il parle pas de moi parce qu'on ne se connaît pas. Il repousse encore. Et après, maintenant, moi, je lui pose la question. Tu parles de qui? Il dit, non, je parle de toi. Il dit à quoi? Il me dit, vous avez appelé un monsieur tout à l'heure, non? Quand vous étiez à la gala, j'ai dit oui. Il dit c'est moi. Parce que d'abord, ce qu'il m'a dit au téléphone là, je n'ai pas aimé. Donc je l'ai arrêté tout de suite. Quand j'ai su que c'était lui qui m'avait parlé comme ça, il dit hey, c'est bon là, je ne suis pas là pour toi. Je parle avec mon ami, c'est bon. Alors tu vas nous dire. Et puis disons, on va arriver là-bas là. Tout le monde est au courant. La star. Un voyage à ce niveau. Catastrophe Luda Befala, Toroba Bebola. Tous les vieux ces niveaux là, ils sont tous arrêtés au dehors. Voilà comment j'ai descendu maintenant, j'ai tiré ma chemise comme ça. Djibril aussi, lui, il est ces niveaux. Et puis je rentre maintenant dans la résidence du boss. Paix à son âme. L'ami de Guillaume Soro là, comment j'ai oublié le nom. Lui qui a eu accident là sur l'autoroute là. Paix à son âme. Lambert. Je rentre, je vois Vipère Touré Moussa, le docteur, tout le monde. Bertou, tout le monde, tout le boni complet. Il y avait des Avi Watao, père à son âme. Je rentre. On dit le président, il est en audience, et puis je suis arrêté. Bon, Djibril, lui, pour lui, ça le dépasse. Il dit, ceux-là, pour les approcher, là, c'est pas facile, hein.
Non, Dieu, tiens, lui, il est en train de. C'est-à-dire, il est en train de m'encourager, mais et puis moi-même, là, j'ai commencé à fondre maintenant. Pas, je sais que je suis chez moi. C'est-à-dire, je suis chez mon ami. On dit, non, asseyez-vous, montez ici, là, à un prix, à quand la boca, un signe. Et après, il finit, on est arrivé vers 20h comme ça. Il termine l'audience à, je crois, 23h ou bien 22h là-bas. Là où Bébé Dosso maintenant, il a bien en Adidas, un ensemble Adidas blanc noir. Et puis il vient, il me prend comme ça. Agaburo l'encama. Moi aussi, il a attrapé quoi? C'est moi, Amira Blindé. Ça là, j'ai pas forcé. Allah le cancelle. C'est Dieu qui a dit que c'est moi qui ai commencé. Et puis devant les gens, Dieu me dit, lui il va habiter ici, il va manger ici, il a le droit de faire aller et retour. Moi quand j'ai mis là, et puis ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Jusqu'à ce que je quitte là-bas. C'est la première fois, moi, j'ai vu même chez les nouveaux, il y avait climatisé dans l'hôtel. Au talent de l'hôtel de là, je craignais parce que je disais que j'allais acheter ventilateur le matin. Dans l'hôtel là, il y a climatisé. Bon, comme ils sont un peu intelligents maintenant, ils n'ont pas mis chauffage. Parce qu'ils savent qu'il fait chaud là-bas. Il y a climatisé. Et puis, il y a l'eau chaude dans la douche là. Tu n'as pas besoin de chauffer l'eau. Et puis, il y avait femme de chambre. En tout cas, j'ai été bien reçu. C'est après tout ça là maintenant. Gibril, il ne faut pas oublier ça. Hein. Ne te laisse pas décourager. Et quand il est découragé, à faire de ce rôle-là, on est dedans. Avec les Guillaume là, on est dedans parce que faut pas leur faire plaisir. C'est de te voir, eux, leur plaisir, leur souhait là, leur rêve là. C'est de te voir un jour. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas dedans. Hey! Au rêve où tu n'as réalisé. Comme on dit rêve là. Peut-être vous allez réaliser ça au lit. Maintenant, là, vous allez voir la vérité en face. Un combat n'est jamais facile. Hein. J'ai jamais été combattant dans la rébellion. Mais un combat là, ça met du temps. Ça met du temps. On a déjà fait beaucoup. Le peu qui reste là. Parce que j'ai dit tout à l'heure, même la guerre mondiale, c'est dialogue et réconciliation qui a fini ça. Marfa, tu sais qu'à Marfa l'a dit. T'as, tu sais qu'à ta foi. Avec ce qu'à Abidjan. Vous pouvez aller à Abidjan. Bon, d'autres voyages. Avec voyage là, mais à ta foi là, mon renyéné. Mais, moi, d'autres me connaissent qu'à foi, tous ceux qui sont à Vata, qui viennent parler mal de moi là, avec toute photo, j'ai. Vous tous là, j'ai vos photos. Tous les gens qui se cachent là, tu les vois sur TikTok là. Et au même moment, j'ai commencé à publier vos photos un an. En bébé, toi, personne ne va aller à Abidjan encore. Donc c'est vous là, vous, votre vie là, est supérieure, est mieux que pour nous. Alou Bédou, avez voyagé, avez tara, avez na. Mais quand on fait quelque chose, quand on veut parler de la paix là, non, il a trahi. Faut pas rentrer dans ça. C'est moi qui ai demandé à Alassane Ouattara, il faut permettre à Guillaume Zoro pour qu'il t'appelle. C'est moi qui ai fait ça. Hein? Et dans les discours du boss, Guillaume, quand il parle là, il parle de paix et du dialogue. Vous voyez? Le salaud qui était là, à lui qui j'ai posé la question, là, il a été incapable, donc il était obligé de quitter le live. Parce que si tu ne veux pas la paix, si tu ne veux pas le dialogue, là, je te pose la question ici, il faut me dire, Eka,
Il faut me dire comment on doit se comporter pour que le président rentre en paix pour aller faire sa politique. Dites-moi. J'ai déjà fait une heure, donc je vais arrêter. Abogaïs, excuse-moi, c'est maintenant que je viens de voir ton commentaire là. Bonjour, comment tu vas? Abou Kone, salut. Merci, le monsieur qui a le nom en arabe là, merci beaucoup. Il y a qui encore? Il y a Amaruna. Vous voyez, il y a les commentaires là, voilà, pour ici là, est calé. Ici là, ça défile, mais à Lola. Suis pour Abogaïs là, le commentaire à Abogaïs, il dit, t'as pas vu, c'est tout, voilà. Il a écrit, j'ai pas vu. Ici là, je vois ça, vous voyez, c'est arrêté là. C'est le dernier commentaire que je vois ici. Donc, même une fois là, Nyené, moi, je n'ai pas de rancœur contre quelqu'un et je n'aurai jamais, parce que nous avons le même objectif, c'est de voir Guillaume sur le président un jour. Pourquoi moi, je vais vous haïr? Pourquoi? C'est vous plutôt qui me détestez. Comment vous, c'est-à-dire, moi, je ne comprends pas quoi. On doit aller à la gare. Ici, là, vélo peut passer là-bas, l'autre côté, voiture peut passer là-bas. Toi, tu es dans voiture, tu veux passer là où vélo passe là. Moi, j'ai dit non, avec mon vélo là, il est passé là où la voiture passe. Pourquoi on se retrouve devant? Tu dis non, que moi je gâte le trajet. Je gâte le trajet comment? Expliquez ça aux gens. Il les traite là. Quand vous dites il les traite là, ça veut dire définissez, comment on dit ça, traîtrise ce que j'ai fait là. Définissez, il les traite. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Je le dis et je le répète. Moi, je ne vais plus attaquer Alassane Ouattara pour Babo Laurent encore. Ça, c'est point. Mais si Ouattara fait des choses à Guillaume Soro, je vais l'allumer. Et dans son gouvernement, là, s'il y a des choses qui ne sont pas ronds, là, je vais allumer ça. Maintenant, si c'est Babo Ouattara, là, je préfère Alassane Ouattara. Et il est où le problème? Le problème est où? Parce que vous, si on vous demande, c'est votre droit. Entre Ouattara et Babo, là, vous préférez qui? Vous allez préférer Babo Laurent. C'est votre droit. Mais pourquoi vous ne voulez pas respecter pour moi? On n'a signé pas ensemble. Il y a un contrat qui nous lit. Idaoui la netaoui na. Toi, ton téléphone, il y a mon téléphone. Tu bailles, je baille. Maintenant, toi, tu veux que moi, je n'ai qu'à m'aligner. Si moi, j'étais quelqu'un à s'aligner là, j'allais rester au RHDP. J'allais suivre Alassane Ouattara. Quand la vidéo qui est à Mousso Balué, 4 ans, il m'a dit que je suis là, oui, de là, bota. Moi, je ne force pas mon amour. Un temps forcé, c'est naturel. Un cas du mot, il est bité. Ce n'est pas d'affaire de vidéo même. Depuis l'enfance même, là, à Divo, là, depuis l'enfance, tu m'as bien collé. Moi, je ne force pas. Je te dis ce que tu fais qui n'est pas bon. Je te dis ça haut et fort. Et puis, tu es toujours collé. Moi, je suis vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas voir que ceux qui ne comprennent pas là, mais pourquoi Amiral Blindé attaque les autres? Je n'attaque pas. C'est des cumuls. Et je fais sortir. Je dis ce qu'ils sont. Je ne suis pas en train de fabriquer quelque chose, de poser sur eux. Vous savez, dans la cérémonie de GPS là, quand moi je m'en vais là, je pars avec ma bouteille d'eau. Pourquoi? Je ne dis pas qu'ils vont m'empoisonner. Mais ni tu es chez Allah, il m'a faut qu'attraper. Mais toi-même, il faut faire attention. Mais ils ont réussi à monter tout le monde contre moi. Tout le monde. Pourquoi? Il y a aucun amour là. Ou bien vous pensez que c'est moi qui freine l'arrivée du président Guillaume Soro au pouvoir? C'est ce que vous pensez? Vous connaissez quoi que moi? Vous, Agamounela, à part parler gros français. Vous connaissez moi, vous connaissez quoi en politique plus que moi? La politique là. C'est, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Moi, la communication de Babo là, tous ceux qui tiraient sur le président Guillaume Soro avant là, c'est moi là. C'est pas les gens qui disaient non, Soro a payé lui là, Soro, quand je m'affiche avec quelqu'un, Soro. Vous savez ce que j'ai fait pour qu'ils soutiennent Guillaume Soro à Akalo?
Même dans ce que vous êtes aujourd'hui là, oui, Dream Team, Dream Team, qui a commencé? C'est moi, Amira Blindé. Je ne sais pas si je suis en train de faire Dream Team, Dream Team. Allez, attends l'ami. Votre Dream Team là, on parlait déjà. Dream Team là même est où aujourd'hui? Il y a que Okolosi qui est avec vous. Sinon, les autres là, ils ont gagné. Il y a Dream Team Goudiado. C'est moi qui ai commencé ça. Moi, et dessin animé. C'est nous, on a commencé. Rapprochement de Pro Babo et Soloïs là. C'est moi, Amira Blindé, j'ai commencé. Et puis, on n'était pas comme ça. On n'était pas nombreux. Vous savez, c'est quoi j'ai mis en tête? C'est-à-dire, quelle stratégie j'ai pris? Mais tous les putains 007 là, qui insultaient Guillaume Soro là. Mais c'est moi. La seule personne que j'ai pas pu toucher, parce que lui là, je sais, moi j'aime pas les gens qui sont arrogants. Le Donny là, lui là, j'ai même pas essayé même. Vous avez envoyé qui? Qui dans l'affaire de Soro là? Vous avez envoyé quel vidéoman puissant? Donc, vous avez envoyé qui? Moi aussi. Donc vous pensez que pour faire la politique, il faut forcément aller à l'école? Non. La politique là, c'est comme des jeux. C'est-à-dire, c'est comme jouer des dames. Tu peux ne pas aller à l'école et puis gagner tous les diplômés du quartier. Quand nous refroidons les gamins et nous sommes maintenant qu'à voler là. Vous savez ce que moi j'ai fait pour que vous rentrez dedans? Est-ce que vous le savez? Vous avez oublié ça? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Amira Blindé a mis en place pour que vous là, vous soyez des fans, des vidéomans de Guillaume Soro? Et ça, Colomb, on était tous à RHDP. Il y a un mot quoi. Moi, je suis un patron. Pas votre patron, mais je suis né patron, moi. Moi, je n'ai pas été à l'école hein, pour dire non, il faut faire ça en diplomatie. Là. Moi, diplomatie, là, moi, j'ai marché dessus il y a longtemps. Hein, parce que diplomatie, ça veut dire hypocrisie. Moi, je ne suis pas dedans. Quand ça est là, là moi, je viens, j'ai tellement été, je suis devant. Est-ce que vous vous posez la question? Pourquoi je suis devenu soloïste? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Pourquoi toi, là, tu es devenu soloïste? Pourquoi tu as aimé Guillaume Soro comme ça? C'est parce que j'ai fait un travail. Qu'on est beaucoup aujourd'hui. J'ai réussi à mettre Guillaume Soro comme président dans votre cœur. C'est moi, Amira Blindé, qui ai fait ça. J'ai rempli à Dieu. Qui a m'relou Djeka m'relou toi? A m'relou Djeka m'relou toi? Aïe, quand toi, il peut, peu. J'ai rien. On est beaucoup comme ça là. Moi, je suis content. Mais pourquoi vouloir moi m'éliminer, m'enlever dans l'affaire de Soro? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai suivi ce que le président a dit. Parce que je parle de paix et dialogue. Pour cela, vous allez vous lever. Dire non, Guillaume, Blindé s'est entré. Blindé s'est rentré, s'est sorti ici. Alors, levez. Je sais que ça va finir par ça pour le bien du Nord. Moi, je ne parle plus parce qu'on est beaucoup. Il y a des gens dans le camp de Bago là. Eux, ils parlent pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui parlent de leur région comme moi je le fais au GPS là. Moi, je parle de ma région. L'unité d'abord au Nord. Et j'assume. L'unité au Nord. Moi, personnellement. Je parle de l'unité au Nord. Parce que nous sommes divisés. Ce n'est pas bien. Levez. Affaire de ce rôle-là, il faut voir. Il faut voir. Et un leader n'est pas un peureux. Guillaume Soro n'est pas un peureux. Ceux qui s'inquiètent pour lui là. Ah, s'il rentre là. Hein, Ouattara va le tuer. S'il rentre là, Ouattara va le tuer. Ouattara savait qu'il y avait danger en Côte d'Ivoire, mais il a risqué, il est rentré. Vous pensez que Guillaume Soro, quand Ouattara va dire non, bon, c'est bon, il faut rentrer. Vous pensez qu'il va se lever comme ça pour partir, bon, comme il le vient à dire de venir, ouais. De venir, oh, non. Soro a traversé des moments difficiles, plus que ça. Quand vous parlez de Sam Boukari,
quand il vous parlait de ce qu'il a vécu, vous pensez que c'est un petit, c'est vous qui doutez de lui. Moi, je ne doute pas de Soro. Mais je veux pour moi, je veux la paix entre le présent Ouattara et le présent Soro. Je veux la paix. La paix ne veut pas dire que Gbagbo et Ouattara aujourd'hui là, ils sont en paix, non? Ils se sont réconciliés, non? Et s'il n'y a pas PPACI? Et si le RHDP n'est pas là? Ouattara s'est réconcilié avec tout le monde. Il reste maintenant Guillaume Soro. Non, si là, même les pro Gbagbo disaient le retour de Gbagbo là. Moi, je connais des pro Gbagbo qui m'ont dit que Gbagbo a changé de couleur, que André, ils l'ont empoisonné, qu'il va mourir. Il y a d'autres même qui m'ont annoncé la mort à Safoulaye, la mort de Gbagbo Laurent. Mais il ne vit pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne vit pas là-bas. Gbagbo a des soldats dans l'armée là. Gbagbo Laurent a des militaires dans l'armée là. Qui sont fans de Gbagbo André Delo. Ils sont fans de lui. Mais Gbagbo n'est pas là-bas. Non. Guillaume Soro, tu sais, son cas n'est pas comme. De la manière, d'après vous, Guillaume Soro a géré l'armée là. Mais Gbagbo a fait aussi. Gbagbo est dans le pays là. Et même ils sont allés dire que moi j'ai dit que je vais dire le nom de Christ et Api. Moi je le connais où? J'ai dit, et je répète, j'ai dit même votre Christ et Api là, lui qui est le plus informé là, il ne peut pas dire que moi, Amira Blené, j'ai trahi. Mais ils sont allés dire que non, Blené dit, il va dire le nom de Christ et Api. Ah, donc vous, vous connaissez Christ et Api, moi je ne le connais pas. Et la méthode de Christ et Api là, moi je n'aime pas. Et je me suis basé sur quelque chose, j'ai dit, si vous voyez le présent sera lui, tous les problèmes là. Pas écrit, il y a pu annoncer dans le passé, en 2020, hein, les militaires disent, tant qu'il n'y a pas ça là, il ne va pas avoir ça là. Les militaires disent, tant qu'il n'y a pas ça là, il ne va pas avoir ça là. Et puis j'apprends aussi que il y a des gens qui sont en train de se préparer pour venir contre moi, parce que j'ai parlé du mariage d'Abdoulaye Fofana et du truc aux États-Unis là-bas là. Aïna. C'est-à-dire, quand je vois les gens, bah, ça me fait mal quoi. Bah, t'es là. Et Nimina Lodjoubalo. Bon, moi, t'as eu le faux quoi. Mais attendez-le, hein. Moi, j'ai parlé d'Alassane Ouattara. Je parle de lui. Allez, ma sœur, Kafoué Kené là. C'est vous, les plaisantins comme ça là. Qu'on dit, il faut faire attention. Vous voulez moi m'effrayer. Y'a insulté vos mamans, hein. Mais la Bamso n'aime tous ceux qui veulent m'effrayer là. N'est-ce pas? Et dans le film là, Brice Lé là, n'a pas de banabé Bori, mais après, il y a un bébé Clichy. Je ne dis pas que ATC Kafoué Kené, mais à l'outé, à la table, ATC Kafoué Kené là. Il faut faire attention, hein. Ils sont en train de chercher où tu es. Je suis à Kruplingen. Après même. Mais Kruplingen, ceux là, vous tapez, je suis là-bas. Venez. N'importe quoi. Ne bamso maneni. Dans comment ça là? On est en même équipe là. Mais ma mère était insultée. Son handicap, tout ça là. Jusqu'à dire que Poucher rentre dans le cul de moi, ma maman. Il y a qui a parlé ici? Qui a parlé? Qui a condamné papa parmi vous? Personne. Donc, à l'outa, les gars, n'est pas indigné. Je ne suis pas un enfant maudit. Hein. Moi, je ne suis pas un enfant maudit. On a qu'à apprendre à respecter les gens. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Arrêtez de dire qu'il est trahi. Arrêtez ça. Les cadres du GPS, là, si vous regardez cette vidéo-là, dites aux gars, là, ils n'ont qu'à arrêter de mentir. Parce que nous avons le même objectif. Je ne sais pas pourquoi eux, là, ils veulent moi m'enlever dans le combat de Soro. Je fais quoi? Eh bien, je ne suis pas dedans à cause de vous. Genre, mais quand je les regarde même là, j'ai ri quoi. C'est Nyeye Kounyema. Ah, Niala. Moi, j'ai plus à dire. Sur eux. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup à dire.
Ils ont annoncé, quand j'étais en France, ah, ils ne travaillent pas. Ah, ils faisaient livraison. Je sais qui a dit tout ça là. Je faisais livraison, Dieu merci, mais je ne voulais pas. Et puis moi, j'ai été connu là. Ce n'est pas dans le bureau. Hein. J'étais toujours dans ma voiture, 4h du matin en train d'aller au travail. Je faisais vidéo tous les jours. Donc quelqu'un ne peut pas dire que moi je suis un vaurien. Quelqu'un ne peut pas dire tous ceux qui m'ont connu dans le passé là. Moi j'ai été connu dans tenue de travail. Mettant paragraphe là, il fait vidéo, mettant une seule côté, mes vidéos quelqu'un. Tous les jours, j'avais deux contrats. Mais ils ont pris ça, ils ont donné aux filles là. Et ils ne travaillent pas, ils le conseillent, ils le font. Mais ceux qui vous ont donné, si on dit on a qu'à s'asseoir, on va dire là, qui a rendu plus service à qui là? C'est parce que moi, quand je suis en harmonie avec quelqu'un là, le jour ça se gâte là. Ce qui s'est passé au moment où on était dans le moment moelleux là. Moi, je ne parle pas de ça. Sinon, qui ne travaille pas en France là? Si on dit on va parler de ça là. Mais qui m'aide? Qui ne travaille pas en France là? Si on dit on va parler de ça là. Ah, qui ne travaille pas à Benachade? Ah oui. Donc c'était le nerf. En tout cas, je me suis déchargé. Je suis content. Ah, je me suis déchargé, je suis content. Voilà, je suis content. Je suis vraiment soulagé. Je suis vraiment, vraiment soulagé. Je suis vraiment content là. Là, je suis soulagé. Mais il faut qu'ils arrêtent. Parce que quand ils vont faire encore là, ça va venir réveiller des trucs encore que j'ai oublié. J'ai oublié de sortir. Bah, Naluma Dabla, moi, je ne vais pas arrêter. Ah, Nama Dabla, Nitena Dabla. Parce que Naluma Dabla, Nika Dabla, Sengue, Nibisra Nalwe, Nisha Lunyamuna. Pourquoi Nisha Nya? Je ressemble à quelqu'un qui a, avec un nez, c'est-à-dire du bas nez comme ça, qui respire fort là. Il va avoir peur de vous, pourquoi? Alors il va falloir qu'on gagne en cours de gamme, que la gang, moi, je vais faire vidéo. Et puis, vidéo, quand faut qu'on n'a qu'à s'attaquer là, à te sécater même. Parce que moi, je sais ce que je vais dire qui est vrai là, qui va vous déstabiliser. Bah, vous te sécater parce que j'ai été toujours vrai envers vous. Quand j'ai un souci avec quelqu'un, je l'appelle directement, je parle avec lui. Là, la dernière attaque, là, c'est quoi? Eux, ils ne sont pas pour le dialogue. Alors, proposez quelque chose d'autre, à part le dialogue. Ayez le courage. Bon, rendez-vous sur. Déchargement n'est pas déchargement. On gagnerait déchargé. Si moi j'étais chinois là, si j'étais chinois là, non, j'allais gâter les coins. Donc, rendez-vous sur TikTok. Moi aussi là, on ne peut pas me prendre au sérieux. Je suis fâché, mais je mets en comédie de là. Non, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je vois pas les points. Attendez. La Suleiman Nibadi. Bon, amène à Kramro, musique de Blala. Amène à la Blala. Wazili Mamoudou, la charika laka.
Wazili mamoudoudi, bégalé, maloudi, wazili mamoudoudi, kembama, alina bade luche, jikoso lujidiale, diadoule, maloudi, wazili mamoudoudi, bégalé, maloudi, wazili mamoudoudi, bégalé, maloudi, wazili mamoudoudi. La Beika.